Bonjour, bienvenue à tous sur RC Atomic FR. Donc, ma précédente vidéo a sûrement été tronquée parce que mon deuxième appareil qui filme ici, qui filme mes mains, filme que 8 minutes. Et du coup, je m'aperçois un peu en retard que ça a dépassé le timing et il s'arrête, contrairement à l'autre objectif qui me filme et qui lui fait des vidéos les unes derrière les autres, mais qui coulit les coupes à 4 minutes. En 4K, c'est la loi européenne. Donc on monte les fusées avant, européennes ou je sais pas quoi, elles sont où? Alors c'est les fusées de BZ3, vous avez les options alu disponibles, ok c'est les mêmes, donc il nous faut des roulements. Enfin, on va commencer par visser nos rotules. Donc il y en a une grosse en haut, une petite en bas. Donc la 3 en haut, c'est la petite, la 3, c'est ça? Oui, il y en a 3, une 3 et demi, vous avez le dessin hein, sur l'image de gauche qui vous indique. Et la un peu plus grosse en bas. Évidemment, il y a une droite, une gauche, vous ne trompez pas. Vu qu'il y a une rotule en haut, une grosse et une petite. Donc ça, on va dire que c'est la fusée gauche. Et ça, c'est la fusée droite. Hop, un petit coup de papier pour enlever le frein filet. Ok, cardan. Qu'est-ce qu'on nous dit? Deux rondelles. Allez, c'est parti. Deux rondelles. Une, deux. Le roulement. Je vais dans ma fusée. Et l'autre roulement. Voilà, que j'ai enfoncé à l'aide de mon tournevis, histoire d'être bien sûr qu'il soit au fond. Je remets mon cardan. En voilà pour une. Deuxième. Cardan. Rondelle. Deux rondelles. Là, pareil, je vous mettrai en lien la petite vidéo qui explique comment on cale les roues en fonction de chaque jante. Parce que c'est la jante qui, malheureusement, nous donne le jeu. Donc à chaque fois qu'on change de jante, on peut avoir un réglage différent. Donc quand on change les pneus, moi je change les pneus sur les mêmes roues. Je fais attention de laisser la droite, la gauche, la gauche. Pour pas m'embêter à tout régler à chaque fois. Donc le roulement, je l'enfile ici. Donc voilà pour nos deux fusées.
24, 25, page 25, on va les monter sur le châssis. Ça c'est juste à clipser, on va le faire de suite ensemble. Là, je vais pas faire une nouvelle vidéo pour ça. Donc la grosse rotule en bas, la petite en haut, donc ça c'est la fusée droite. Donc je rentre mon cardan dans le diff, hop, je viens me mettre sur mes deux rotules et je clipse. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc je mets mon cardan dedans. Je me mets en face des deux rotules et j'appuie. Et voilà. Bon, mais je vous dis à de suite pour le montage de la SZ2. On attaque les biellettes de direction et la direction. Salut !